Allô? Voilà, ça m'a Ouais. l'air de marcher. Bon, ben du coup, bonjour. Je vais lancer le live de mon côté pour voir aussi les commentaires. Ah ouais. Eh bien, je vais voir si ça marche déjà. Oui, ça peut être un bon début. Oui. Du coup, je vais te dire ça aussi. Si l'application... Ah oui, c'est bon, ça marche. Yes. Je vois nos écrans. Ouais. C'est parfait. Ok. Alors comment on fait? Qui commence? Comme tu Je vais tirer un dé. Attends. Je vais tirer un dé. Dé. Et tu vas me dire un chiffre. Okay. Vas-y, dis-moi un chiffre. Ah, ça y est, elle est là. Salut Al! 5. Ok. Touk. Lancé. 3. Attends. T'as dit 5, moi j'ai dit. Moi j'ai rien dit en fait. Pardon. Ok, on l'a refait. T'as dit 5, Ouais. je dis 1. Allez hop. 1. Voilà. Bon bah du coup je commence. Vas-y. Elle a dit un perso avec de bonnes fesses. Vas-y, dis-moi avec qui je dois commencer. J'ai même pas. Peut-être, si vous êtes sage, on les dessine légèrement de dos. Vas-y, dis-moi un perso. On va dire, allez, on va dire Cléa pour commencer. Ok, on commence facile. Oui. Ça lag beaucoup. Ouais. Mais du coup, là, on Ah. est passé sur un écran. Normalement, ça devrait moins laguer. Si ça lag toujours, n'hésite pas à me le dire. Du coup, j'ai 10 minutes. Comment je me mets un timer? Ouais. Est-ce que tu veux bien J'ai mettre un 10. timer? Ouais. Je vais mettre ça sur mon écran. C'est quoi, ma montre, elle a plus de Oh. hop, on va bien trouver ça sur Internet. Timer. Hop. Bon, je rends ligne. Ouais, ok. Moi, je veux 10 minutes. Hop. T'es prête? Ouais, Ah ben bah. non, t'es déjà partie. C'est bon, Vas-y, t'inquiète. attends, je C'est reprends pas à zéro. grave. Vas-y, 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 vas-y. Merde, alors attends. Reset. Pendant ce temps, je vais trouver de la Non. musique. Attends, Reset, j'ai dit. Pause, reset. Vas-y. Ouais. Je trouve de la musique pendant ce temps. Ok. C'est Comme bon, moi ça. je suis prête pour Ok. quand tu veux. Ok. Ouais, on va mettre ça. Hop. Nintendo and Lofi. La Lofi pour les lives, c'est parfait. Voilà. Ok, c'est parti. Tu me dis quand c'est bon. Ok, 3, 2, 1, top. Ok. Cléa. Je me rappelle même plus de sa frange. Je sais qu'elle a une Te tresse. rappelle que Une écharpe. même moi hier, je me rappelais plus de sa tronche. Hâte de voir ça tant que ma connexion reste en vie. Courage à Taco. Elle va survivre. Faire un massage cardiaque à la connexion de courant. Je sais pas trop. Peut-être que je vais lui mettre la main. Voilà. On en avait le cas dans un état de concentration intense. En Je sais pas attendant, on si peut elle faire du commentary comme ça. est. Déjà, tu peux faire du commentary sur l'anatomie, mais. Pour l'instant, je ne sais pas. Je pense qu'elle est plus fine que ça. Et le chat n'a pas le droit de tricher. Ah oui, vous avez pas le droit de backseat.
Tu dessines qui? Elle doit dessiner Cléa. Sans ref. Oui, sans ref. Parce que sinon, c'est pas drôle. Et en 10 minutes. Ouais, j'ai 10 minutes. On a mis un timer. Il me reste combien de temps? Il te reste 8 minutes. Bon, ça va. Ouais, ça va. Je pense que 10 minutes, ça va normalement. Vas-y, je fais avec vous. Ah ouais, vas-y. Ouais, trop bien. Tu nous après, tu les, mets, tu les mets sur Discord et après, on les... Toi aussi. Ouais. Du coup, il reste combien de temps, là? Il reste 8 minutes. Ok. Bah, du coup, As, t'as aussi 8 minutes. Et on mettra ton dessin sur le stream. Alors, Cléa Chan. De quel côté est sa frange? Je crois que c'est un truc comme ça. C'est un truc qui part comme ça, là. Elle est chelou, sa frange. Je crois que c'est comme ça. Il faut vraiment qu'on trouve comment faire des lives à plusieurs. Comme ça, ça sera trop marrant avec plusieurs personnes en train de faire le même perso. Ouais. Je crois que c'est comme ça. Mais après, peut-être elle a des mèches, là. Je sais plus si elle a une mèche, là. Je crois pas. Je crois pas qu'elle ait de mèche. Non. Non, elle a pas de mèche. Visage... Un truc comme ça. Alchimie, c'est bien dans le témoignage. Tu es presque, hein. Léa, c'est un perso de wild. Coucou, Saza. Salut, Saza. Donc du coup, pour faire un récap, on dessine les persos de l'autre. Ah, oh, il y a Epona. On Oups, dessine les persos de l'autre, mais sans ref. Du coup, pour l'instant, il y a Velka qui dessine Cléa de mémoire. Oui. C'est mon perso préféré de Wild. Du coup, je l'ai déjà dessiné quelques fois. On a commencé par des trucs gentils. Il y a qui dit j'ai juré que c'était dans l'intro. J'aurais juré que c'était dans l'intro. Alors attends, là. Tu mérites des baffes, Léa. Là, il y a un nœud. Je suis sûre, il y a un nœud. Je sais pas si là ça descend. Peut-être, je sais pas. L'écharpe, elle descend un peu. Il y a des bidules là. Il y a Al qui dit. Ils auront pas nié pas de pieds les miens, mais je crois pas que les nôtres auront des pieds non plus en fait, donc... Moi je suis partie sur half body là. Ouais. Ton matrice elle est un peu raide. Du coup je t'ai même pas posé de question en fait, on va faire sans question, ça va être plus drôle. Ouais. Parce qu'à la base, on voulait faire comme règle du coup 10 minutes. Et on avait droit à trois questions. En fait, si on va les... Je pense qu'on va les laisser, si justement. Parce que là, pour l'instant, tu vois, on n'en a pas besoin. Mais je pense que... on finira par en avoir besoin. Ce qu'on peut dire, Léa, il y a n'importe quoi, Velka, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a le droit à trois questions, mais en tout. Comme ça, c'est à nous de doser nos questions. Ok. Trois jokers, quoi. Ouais. C'est ça qui dit Velka, dessine-nous Liam juste à côté. Non, j'ai plus que 5 minutes, même pas là. J'ai même pas liné. Il reste 5 minutes pile, j'ai le temps de liner. J'aurais peut-être pas le temps de faire les niveaux de gris. Ah, tu veux aller jusqu'au line toi? Non. Si, peut-être, hein. Il faut aller le plus loin possible. Parce que là, je pars avec un line, mais tout à l'heure, ça se trouve. Ça m'a pas été ça. Vas-y, je tente le line art. En vrai, sinon, tu mets juste des niveaux de gris sur le sketch et je pense que ça passe aussi, non? Non. Le plus loin possible. Comme ça, je fais la maline et tout à l'heure, je galérerai de ouf. C'est cool, après, on pourrait reposter les résultats sur Twitter. Ah ouais. Ça va être marrant. De ouf. Ah, si vous voulez participer, n'hésitez pas, parce qu'après on met les dessins des autres sur le stream. Ouais. Et du coup, il y a Al qui dit, du coup, je suis venue voir un live que je dois pas regarder, sinon c'est de la triche. J'avoue. C'est pas concept. Bah après, moi, je fais pas forcément... c'est pas forcément bon, ce que je fais. Hein. Ça se trouve, je suis en train de me planter, j'ai pas fait la frange du bon côté, ça se trouve, c'est n'importe quoi, hein.
Et là, les autres sont en train d'aller checker les rêves du père. Ah ouais, allez pas chercher les rêves, sinon c'est de la triche. Bah après, ceux qui participent pas, ils peuvent, hein. Ouais. Oui, après, les autres, ils peuvent. Mais ne m'excitez pas. Attends de voir le mien. Oups. C'est quoi ce oups, Al? Surtout qu'il y a une prof dans la salle, si elle te chope, elle te met direct 0 sur 20 pour tous les participants. Même oh, elle vient. Hey, j'avoue, je suis en compagnie d'une prof là, elle va me noter. Alors, moi, mes élèves, je leur dis que. Enfin, ça, c'est surtout pour les devoirs maison. Je leur dis, bah, si j'ai deux devoirs identiques, je divise la note par deux. Si j'ai trois devoirs identiques, je divise la note par trois. Toi, c'est malin ça. Il te reste 2 minutes 38, 37, 36. Je ne sais pas si... Non ! Après, je pourrais ouvrir une fenêtre, un navigateur web, et je le mettrai sur le techo du live. Comme ça, on pourra avoir le timer en direct. J'ai pas pensé directement, mais on peut faire ça. Comme ça, je te mets la pression, c'est marrant. Je pense pas que j'aurai le temps de finir mon line. Surtout qu'il y a une tresse. Oui. Ça va vraiment être un line vite. C'est un cryoline. Un cryoline, exactement. Putain, la tresse, mon dieu. Alors, je suis pas sûre que l'escargot donne des bonnes réponses en contrôle, les poneurs. Et puis, ça va, la fois où on m'a rendu un devoir avec un escargot, c'était pas noté, c'était juste. Je me rappelle. Trop mignon, quoi. Ouais, j'avais eu une copie avec un escargot dessus. Trop mignon. Al, qui dit « Entends, hein, une tresse !» Lia qui fait « Al, Emma qui se demande si elle est bien en train de dessiner le bon perso. » Tu vas avoir un fanart, mais tu sais pas de qui. Bon, bah, elle aura pas de plis à sa robe, hein, tant pis. Voilà. Les plis, c'est surfait de toute façon. Ouais. La gravité est plus forte que tout. Elle avait très bien repassé sa robe. Très très bien. Tellement bien que c'est devenu du papier. Hop. Ou un mur de béton qui bouge plus. À voir. Il reste combien de temps? Il reste 52 secondes. Oh, j'ai le temps de faire des hachures. On va faire des petits détails par-ci par-là. Attends, et pendant ce temps-là, je me fais spammer de mails du lycée. Un dimanche, sérieux. Un dimanche à 18h passé. C'est honteux. Al qui dit PTDR, j'ai dessiné derrière un papier important de la CAF, lol. Voilà. Lia qui dit la gravité c'est une légende. Oui oui, on sait, Lia. On sait que chez toi la gravité est quelque chose de... Salut. On a un petit niveau. Salut Nolz. Du coup, voilà. Pour faire un petit récap pour les nouveaux, du coup on est en train de dessiner les persos de l'autre, mais de mémoire. Du coup pour l'instant c'est Velkia qui dessine Cléa de mémoire. Mets-le sur... Attends. Où est-ce qu'on peut le mettre? Ça, c'est une bonne idée. Tu peux le mettre sur mon Discord. Dans général. Je sais pas si tu le mets dans général ou... Ouais, t'as qu'à le mettre dans général. Ouais, ou sinon, tu le mets sur le Discord auteur. Ou sur le Discord auteur, ouais. Ouais, en galerie. Ou... Je crois qu'on a un channel de signes. Regarde ce qu'a fait Velkia. Ah, d'ailleurs, c'est fini. Hein. Oui. Je suis censée être maître du temps et je fais pas du tout mon taf. T'as une rêve qui traîne que tu peux mettre sur ton écran? Comme ça, on compare. Bah, attends, je vois. Comme j'étais en train de bosser dessus, je dois avoir ça. Dessin. Ça va faire mal. En fait, je dis ça, mais. De toute façon, j'ai qu'en noir et blanc, donc. Hop. Voilà.
Ça, c'était le tout premier dessin. Alors, voyons voir. Ah, elle est coupée sur le live, genre sa tête est coupée. Ah, flûte. Ah, oh, j'ai oublié un détail. J'ai oublié le détail sur son écharpe. J'ai oublié les Est-ce que froufrous. sinon, en vrai, sinon, je vais fouiller dans les planches. Peut-être qu'on verra mieux. Hop. Ah oui, une Bon, tresse. enfin. Tu l'as mis sur le live, Al? Oh, partout. Je sais pas, peut-être qu'on peut mettre un timer sur Streamlabs. Attends, je vais regarder si je peux. Ouais, bah, un petit peu close, mais pas trop non plus, hein. Ouais, non, je peux pas. Bah, sinon, on fait avec l'heure. Ouais, sinon oui, on s'embête pas. Celui des auteurs, je vous ai tagué. Ok. Voyons voir. Nice. Attends, je veux voir ça, moi. J'ai besoin de voir ça. Si mon téléphone est collaboratif. Bref, je sais plus parler. Veut C'est bien collaborer. ça. C'est un mix en fait entre Imé et Clélia. En fait, je crois J'aime que... bien le nom bleu. Mais en fait, j'ai fait sa rêve couleur pour la première fois aujourd'hui, donc de toute façon, tu peux pas savoir. Y a l'écharpe, il y a la robe, elle est bien blonde. Et elle est Bah, grognon. Vas-y, elle est où ta franchement, ref? j'en lis. Ouais, bah du coup, ouais, mais du coup, si on la voit pas en entière, Mais elle comment était, qu'on fait? franchement, celle en line art, elle était parfaite, hein. Ouais, Vu que de toute je façon, cherche. bah, de toute façon, il n'y a que du noir et blanc. C'est dans le dessin. Oh, attends. Ah, j'ai perdu mon dossier. Ah, croquis. Voilà. Je vais rapetisser pour que vous puissiez voir quelque Yes. chose. Alors, je te remets. Ouais. Bah, il manque quoi? Vas-y, dis-moi tout ce qui manque. Bah, en vrai, alors attends, faut que j'arrive à avoir les deux sous les yeux. Ça. Non, en vrai, c'est pas trop mal. T'as juste l'écharpe qui est trop courte. La petite rose qui manque et la mèche du coup qui est à l'envers. Mais sinon, Ouais. t'es pas mal, hein. Yeah. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Ah Cool. oui, une tresse. Par contre, si avec le prénom vous pouviez me dire qui ils sont dans l'histoire, ne retiens pas les prénoms, ni des vrais gens, ni des procès. Ok, bah on Y a dira. un qui dit je me rappelle de la scène où elle est à poil, c'est pour ça. Peut-être on mettra un système de points après, mais Oh putain, non, Al, elle se rappelle juste de ça. C'est Mais non. tellement triste. Forcément, il y avait des fesses. 17 sur 20. Yeah, j'ai 17! Trop cool. Ah ouais, on note sur 20, on a qu'à faire ça, comme à l'école. Ouais, on Vas-y. vous laisse noter. 17 sur 20, ça marche. Bon. Bah du coup, à ton tour? Ouais. J'ai peur maintenant, j'ai la pression. C'est quoi ce truc là? Rire diabolique, oui. Déjà, on met un fond noir pour se protéger les yeux. Hop. Précisez-moi si on a vu les espèces de l'OC. Moyen mnémotechnique. Hop. 17. Trop bien. Du coup, on fait à l'heure. Attends, il est quelle heure? Il est 17, 18h27. Ok, et 37 secondes. Attends. Moi, j'ai 27 chez moi. 18h27.
Oui, 27. J'ai dit combien? 27, alors dans 15 secondes. Et je vais te demander, Yvia. Alors, ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti! Et tu dessines la Yvia de n'importe quel volume, celle que tu veux. Ok. 17-25 pour 75. Le truc, c'est que je crois que là, je serais capable de faire la coiffure qui va pas avec la tenue. Il y a déjà des gens qui m'ont fait la tenue du volume 3 avec la coiffure du volume 2. Parce que là, moi, j'ai sa tenue... Je crois que dans une coiffure, je dois avoir la dernière en tête. Mais effectivement, niveau tenue, j'ai plus celle où elle a les seins à l'air. Nous verrons. Du coup, bah, je crois que ça va être mixte. Yvia, on l'a déjà vu à poil, le oui, je crois. Bah, déjà, de base, elle est pas très habillée. Ouais. Et pour rappel, on a 3 jokers, donc on a le droit de poser 3 questions. En tout, sur tout le live. Ça se trouve, on va être trop fort. Ah, et d'ailleurs, on n'a pas noté Al. Combien vous lui mettez à Al? Combien tu lui mets, toi? Je sais pas, moi. Je sais pas noter son barème, moi. Alors... La vraie preuve jusqu'au bout. Bah, en vrai, le barème, c'est juste la ressemblance. Non? Parce que, de toute façon, c'est un dessin fait en 10 minutes. Cléa de tête, je l'enregistre. Vous utilisez toutes les deux un iPad Pro? Ouais. De mon côté, oui. Elle a un regard de psychopathe. Mais Yvia, elle peut avoir un regard de psychopathe, donc c'est parfait. Dans certains contextes, c'est tout à fait possible. Alors... On a dit la bouche en forme de cœur. Yes, très important. 14 sur 20 pour Al. Saza dit. Saza, c'est notre noteuse officielle. Ouais. Moi, j'ai du mal à noter aussi, quand c'est pas moi. Ouais, c'est dur. Pourquoi je m'en rappelle déjà plus? Le stress est présent. Hein. Attention, je juge très fort. Déjà la bouche, 20 sur 20. En vrai, normalement, je devrais rien dire. Il faut pas que je t'oriente. Combien de temps là? Il est passé 2 minutes. 3 minutes. Là, il vous reste 7 minutes pile. Ça termine à 38, à 18h38, pile. Hé, mais pas de backseat! Le backseat est interdit. On dit pas les indices. Alors, coupe de cheveux. Laquelle tu vas choisir? Ça, c'est la question. Pas celle... Vas-y. Bah, je sais pas, moi de tête, j'ai celle avec la queue de cheval. Ouais, la première, la vanilla. Mais après, je sais pas, je crois qu'elle a juste des nez. Des côtés comme ça. On ne rigole pas. Non mais oh. Il y a Al qui dit... Que tout ce dont elle se rappelle, c'est que ses vêtements lui moulent bien les fesses. Ah ouais, vas-y. T'as vraiment un problème. T'as un problème avec les fesses. Il y a Koura aussi qui veut essayer. Oui, vas-y. Tous ensemble. Je crois qu'elle a des oreilles pointues. Une grosse mèche là. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire.
Je dis rien, je dis rien. Réflexion intense et profonde là pour la suite. Quel vêtement tu lui mets? Mais franchement, j'arrive pas à me rappeler le dernier. Donc, bah. Pendant ce temps, je suis en train de chercher la ref. Oui, j'aurais dû faire ça tout à l'heure aussi. Trouver. Oh. Non, putain, d'accord. Il reste... Ah, faut que je suis soustrait. Attends. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes 50. J'ai mis l'heure. Mais peut-être que c'est plus simple avec un timer, finalement. On teste des trucs, mais le timer a l'air plus simple. Elle est pas un short avec un nid. Des questions que je me pose à moi-même. Hein. Ah, oups, ça a coupé. Alors attends. Je remets ta fenêtre. Ah ouais, par contre, chez moi, ça a l'air revenu. Ouais, non, c'est bon, il y a eu un léger bug, mais c'est revenu. J'ai la flemme de faire une vraie main. J'ai aucune idée de ce qui déconne, mais elle lui ressemble pas, je sais pas ce que je fous. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, il reste 4 minutes. Moi, je crois qu'elle a un nœud, je sais pas où, on va le faire demain. On va tenter un petit line. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Genre, il te reste 3 minutes pour liner, tu penses que c'est bon? Ça va être compliqué, bah tant pis, ça sera un demi-line. Je crois que je vais faire un line sale. C'est pas grave, c'est très bien. Un crayonné line art, comme on dit. Ouais, un crayoline. Un crayoline art, exactement. Il reste 2 minutes 30. C'est pas possible, il y a une faille temporelle quelque part. Faire un line art en 2 minutes, c'est tellement l'enfer. Ça sera même plus un line art, en fait ça va être un sketch par-dessus le sketch. En 50% plus propre. Et encore. Mais du coup, 50% moins détaillé. Où est passé le fameux robot de génie? Robot de génie, elle est pas dans son bon jour. J'avoue, robot génie, normalement tes line art tu les fais en 30 secondes. Oui, mais là, j'étais pas calibrée pour. 1 minute 30. Oh bah c'est mort. J'ai passé 20 ans à faire des yeux. Il y a tout qui tremble, j'aime pas. C'est pas grave. J'ai l'impression que chaque trait que je fais est pire que le crayonné. 1 minute. Je crois que je vais laisser le crayonné. Finalement. La prochaine fois, on va peut-être plutôt détailler le crayonné à la place, tu vois. Ouais. Ou le proprifier. Le proprifier, ouais. Pour remettre de l'huile dans la machine ou prendre un nouveau modèle. Est-ce que t'es sous garantie, Jenny? Ah, faut que je vérifie. La brancher, ouais. La limite de temps, c'est l'enfer. Je commence pas. J'ai pas...
J'ai pas sauvegardé. J'ai fou, je sais même plus parler. J'ai pas. Il reste 10 secondes. Il te reste 10 secondes. Ouais. Ouais, bah voilà. On va rester sur le crayonnet de base. Et c'est fini. Et le résultat est le suivant. Tac. C'est une ref extrêmement précise. À savoir, elle apparaît comme ça dans un chapitre du volume 2. Et uniquement ce chapitre. Voilà. Tu l'as pas mise encore sur le... Si, si, je l'ai mis sur le stream. Voilà. Ah, elle avait un nœud dans les cheveux. À ce moment-là, elle a un nœud dans les cheveux, ouais. Tu l'as plus habillée. Elle a plus de tissu. Ouais. La mèche est un peu plus longue. Et elle est dans l'autre sens. Oui, j'avoue que on fait nos mèches à l'envers tous les deux. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, quand vous avez terminé, mettez-les sur Discord. Oui. Si jamais vous êtes... boss, là, nous, on fait ça sur le Discord d'auteur, mais si jamais vous voulez participer... il y a ce Discord là limite, vous les mettez sur, ouais, ou limite vous les mettez sur Twitter et en nous notifiant. Oui, au pire. Lui, on dirait une caricature de fête foraine. C'est fait, t'es pingué. Ok, je vais aller voir. Alors. Attends, je vais montrer en plein écran. Oh, les choupinettes! Moi aussi, je vais aller voir. On dirait une, tavernière, la version de Hal. Par contre, elle a des seins énormes! Mais je bourrais. La main de Véron. Énorme. J'avoue, la bière, c'est un excellent point. La bière. Ah, tu lui as fait les tresses? Tu lui as fait les tresses et la queue de cheval. Donc ça c'est Al. Elia, je vois. Attends, il y a Coralia qui a dit qu'elle avait... Oui. Elle l'a mis. On est beaucoup... elle aussi est partie sur la tenue sans l'air. Je vois pas ton dessin, Lia, il est où? Il est dans son channel. Ah. Oh, d'accord. Mais en fait, t'as identifié, mais t'as mal identifié. Ah, elle est trop mignonne. Adorable. Salut, Bladette. Excellent. Bah, écoutez, il faut noter. Putain, j'aime pas faire ça. Je remets ton dessin. Combien on met à Jenny Mickey? Ça va, on t'attend. Il manque un détail à la con, mais en vrai, moi je mettrais 18. Parce qu'il y a juste la mèche à l'envers et le nœud, mais c'est tout en fait. Tout le reste, c'est à peu près bon. Enfin, genre, il y a. Les formes sont là, quoi. Les points bonus de la bière, oui. Le glooby boulga du mia. Peut-être que je peux mettre les trois en même temps. Toi, t'es. Hop. Je te mets là. En vrai, ouais, je lui ai pas mis assez de masse capillaire. Ouais. Bon, je supprime mon pseudo-line. Hein. Ouais. On va avorter les lines. C'est très mauvais. On dirait qu'elle tient un tonneau de bière. Effectivement, elle tient un tonneau de bière. Une alcoolique. Attends, tu l'as mis où? Je sais plus où elle l'a mis. Elle l'a mis dans mon... Ou dans le sien. Dans son... Dans le sien, elle, ouais. Non, c'est dans le... Ah, voilà. Dans le... J'ai du mal à comparer, tout est différent. Mais le plus fidèle, c'est celui de Jenny Mickey. Là, y'a pas photo, par contre. Yeah. Ouais. Ça, c'est parce que je regarde pas que les fesses. Son t-shirt est pas exactement pareil. Elle a fait un nœud sur son short alors que c'est un sweat. Ah ouais? Salut Ivora!
Elle oublie le nœud dans les cheveux. Ah mais elle, franchement, elle est plus fidèle. Je trouve que elle a plus respecté Uvia que moi je n'ai respecté Cléa. Hein. Il y a des gros nénés, mais elle a pas des gros nénés les, par contre Uvia. Je t'arrête tout de suite. oui, j'ai un serveur Discord. Il est juste là. Uvia n'a pas des gros seins. Merci des bots. Si tu veux des gros seins, il y a Cohen. Il y a Cohen. Voilà. En tout cas, c'est trop cool. Toutes les tailles de nénés sont des gros nénés. Poupie sur 20, j'avoue. Attends de donner Cohen. Bah, l'idée est là, Couralia. Attends, je le remets. Couralia. Si, il y a l'esprit quand même. En vrai, ça va. Tu lui as fait un short jean des années 2000. Et elle a une frange. Mais, à part ça, ça va. Hein. Ok, je vais. Et en plus, il y a même les canines. et les oreilles pointues. Mais il y a les oreilles pointues en plus. Si, si, tu assumes. Ouais. Je la remets. En plus, elle est sur mon écran aussi, donc. Oui, en plus. La même ref, ouais. Ouais, on a fait la même ref en tête. On fait la suite ? Oui. Alors. Je trouve que je le mets après. Alors. On refait timer finalement ? C'est mieux ? Ouais, si tu veux, je retourne dessus. Ok. Je réfléchis. On va dire Margot. 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 Elle a une coiffure relou. Oh non, quelle horreur. Margot. Putain, mais c'est pas du tout un personnage. C'est pas du. Genre TDD, c'est pas le personnage qui m'a marqué le plus du tout, tu vois. Oh là là. À part ses cheveux. Mais quel enfer. Lia qui souffre déjà. Ah bah. Non, on dit pas. Hein. On n'a pas droit aux questions. Tu te débrouilles. Oui. Oh là 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 là. Bon. Allez. C'est celle qu'on voit dans les premières pages. Margot. Elle a un truc là, ça part. Ça fait des tresses qui partent en arrière. Ça, c'est sûr. Et là, il y a des cheveux. Mais je crois que c'est à peu près tout ce dont je me rappelle. Mais je crois qu'elle a des tresses partout. Elle est trop bizarre, sa coiffure. Là, il y a un truc, non ? Oui, il y a une couette là. Il y a Al qui dit, mais on m'a dit que j'avais 3 questions. Mais si tu poses des questions, ça veut dire que... Ah bah non, c'est 3 questions. Que c'est moi qui ai droit de les poser. Que elle est là aussi. Ah bah oui. Et ça, Al qui dit, Margot, c'est la meuf dans l'un thé, non? Vous voulez foutre tout le monde dans l'un thé. Non, c'est du TDD. Merci, Velkia, de donner des indices. Ah mais merde, en plus, je donne... Putain, oui, je parle, je fais du commentary quand je dessine. Ouais, on va pas rester silencieuse, hein, mais... Bah oui, mais... bah du coup, forcément, vous aurez un meilleur score que moi, mais c'est pas grave, je suis bonne joueuse. Vous partez toutes avec un point en moins, voilà. On divise la note. C'est ça, on divise la note. Il y a eu triche, on divise la note. On a flemme de faire des mains, on va faire des mains de profil, c'est très bien les mains de profil. Voilà. Ça va, dans l'inté, il n'y a pas de prénom, il n'y a que des tirés par les cheveux. Il me reste combien de temps ? Il te reste 8 minutes 30. Ok, ça va. Je connais pas ces vêtements.
Je connais rien de cette fille, en fait. Elle a des cheveux longs. Elle a... Là, il y a un truc qui fait comme ça. Je crois qu'elle a un débardeur, si je dis pas de bêtises. Et c'est pas une... Est-ce que c'est une jupe? Je ne sais pas. Je sais même pas si c'est une jupe ou pas. Il y a Saza qui a dit, là, je prévois une... Ah non, mais là, ça va être le gros couture, oui. Je crois que c'est une jupe, oui. Oui, c'est une jupe. Mon dieu. Ça, je vais l'enlever. Parce qu'on le voit pas bien. Non, mais ça lui ressemble pas. Je sais que c'est pas elle. Là, il y a des trucs. Là, il y a des machins, là. J'ai tellement envie d'aller sur internet et de vérifier ce que je fais. Attends, je vais préparer en attendant. Tu vas préparer tes refs? Ouais, en attendant. Bon, alors elle pleure, hop. Ça on s'en rappelle. C'est un bon point. Hop. Je crois pas qu'elle ait de mèche devant. Oh, je sais. En fait, elle a des mèches comme ça, là. Qui se rejoignent. Et ensuite, ça repart. Le mental breakdown est présent. Mais oui, mais je sais pas ce que je fais, là, les gars. J'ai aucune idée de ce que je fais. C'est pas un fan art, je suis désolée. Dans ma sac. Mais je sais pas, faut pas m'écouter alors. Parce que ça se trouve, je dis n'importe quoi. Non, elle a pas un débardeur. Il y a des manches. Il y a des manches. Je pense qu'il y a des manches. Elle a le ventre à l'air, ça c'est sûr. Mais. Il y a Chosa qui dit punaise, j'habite dans un studio en immeuble et j'entends la porte du voisin. Quelqu'un est rentré chez moi. Quelqu'un est rentré chez. Comme si quelqu'un était rentré chez elle. Ouais. J'ai cru que quelqu'un était rentré ça chez elle. Ça va aller, Chosa. J'en sais rien, je ne sais pas. C'est une honte. Ça ne va pas du tout. Je ne sais pas. Et ton silence rend ça encore pire. Il y a qui dit hop, punaise. J'ai ça aussi avec mon nouveau voisin. On a l'impression qu'il y a quelqu'un dans la porte. Bah écoutez, chez moi, calme. On n'entend que dalle. Et c'est super. T'as de la chance. Et vous allez bien les gens du chat, et j'ai lu du chat, je suis contente. Tout va bien, je sais. Mais il y a un moment où elle a le ventre à l'air, mais quand? Genre parce que ça c'est comme ça, ça c'est sûr. Et là je sais même pas s'il y a une ceinture ou pas, j'en sais rien. Ça va être le gros coup dur les gars là. Ça va être infâme. Ça se trouve, elle a un short, et je dis n'importe quoi. Peut-être qu'elle a un short, finalement. Et vous savez quoi, je vais tricher, je vais faire une jupe. Genre, on sait pas si c'est une jupe ou un short. C'est ambigu, voilà. C'est ambigu. C'est horrible. Je sais que ça lui ressemble pas. Je vous avais tenté un Scribble.io. Ouais, en partie personnalisée avec vos persos. Ah, ce serait trop bien. Mais là c'est la première fois qu'on teste ça. D'habitude on fait juste des. Mais du coup le Scribble pour le coup on pourrait le faire avec plusieurs gens puisqu'il n'y aurait pas besoin de streamer plusieurs écrans. Oui, ça oui, tout le monde a le même écran et puis après chacun peut streamer ça sur sa chaîne TV. C'est ça. Ce serait trop bien. Ouais.
très bonne idée. Oui, j'avoue. Ou après avoir peut-être un pain chat ou... Bah avec Scribble, ce qui est bien, c'est que t'as vraiment le timer. Et tu dessines à la souris, ça c'est drôle. Bon, il me reste combien de temps au fait? Ah merde, du coup j'ai pas regardé le timer, j'étais sur la ref. Il te reste 3 minutes. Ok, ça va pas du tout. Il manque un truc. Non. Il y a un truc avec ses cheveux. Oh, il y a un machin qui fait du volume quelque part. Non, peut-être. Genre là, comme ça. Ouais, un truc comme ça, là. Par contre, les vêtements, c'est pas ça. Hein. Elle a pas de ceinture. Peut-être pas. Peut-être que si, je sais pas. Je sens ton désarroi. Là, je suis complètement paumée. Et ne m'écoutez pas, hein, parce que ça se trouve, j'ai dit n'importe quoi. Deux minutes. Ok. Je crois pas qu'elle ait les cheveux plus longs. Non. Bon, je vais faire des hachures, hein. Puisque je ne sais pas. Ah, t'as fait les tigres. Ah, mais oui, mais toi, tu vas avoir des points bonus, là. Tu fais du zèle. Elle est trop taquée. Mais en vrai, tu dessines super vite, Al. Ouais, j'avoue. J'avoue, Al, elle nous pond des dessins en couleur en 10 minutes. Mais oui. Moi, j'ai même pas eu le temps de liner. Allez, Mac, il y a trop de temps dans 10 minutes. Je sais pas, il y a un truc avec sa jupe. Salut, bonne soirée, à la prochaine. Hop, bonne soirée. Il y a un truc avec la jupe, je suis passée complètement à côté, mais je sais pas ce que c'est. Reste 20 secondes. Le secret, c'est de ne pas avoir de mémoire pour le reste. Cinq. Ouais, bah, je vais m'arrêter là. Hein. C'est un massacre. Stop. Alors. Voyons voir la ref. Hop, je reprends mal. Oui. Je veux le même short. Aïe aïe aïe. Oh, putain, la jupe. Oh, il manque des trucs. Vas-y, vas-y. Mais en vrai, pour le haut, t'es pas mal. Les cheveux, t'as rajouté la tignasse au-dessus après. En fait, il manque juste les deux petites mèches devant. Mais oui, il y a ces deux mèches là. Ouais. Et la jupe, mais sinon, en vrai, t'es pas mal, hein. Oh, il manque pas mal de trucs, hein, quand même. On veut voir, Al, on veut voir. Franchement, je la reconnaîtrais pas, hein. Enfin, je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai fait. Vraiment pas du tout, ça va pas. Ouais, il y a la jupe, il y a les cheveux, il y a les détails, quoi. Ouais. Mais les cheveux, c'est ce qui fait l'identité du personnage, donc s'ils sont ratés, bah s'ils sont ratés, en fait, je passe à côté du perso, ça va pas. Celui de Al, il est magique. Ah, vas-y, je vais le voir. C'est moi ou il y a les tigres? Oh, attends, je suis vite Koura. Ah, Koura, il s'en est bien sorti, mieux que moi.
Ah, je vais voir. Après, Lia, elle a triché, elle a déjà fait des tartes de... Oui! Celui de Lia, il est bien. Hein. Lia, je lui mets une meilleure... Ouais. Lia, je lui mettrai une meilleure note qu'à moi. Sûr. Celui de Ali me tue. Avec sa note attachée en arrière. Trop chou. Tu fais bolosse par les tigres. Jupe qui moule les fesses. Putain, il y a tout qui moule les fesses avec toi. Oui. C'est pas possible. Hein. Tout est moulant chez Al. En fait, ouais, il suffit de l'avoir dessiné une fois et ça va. Mais moi, je l'avais vraiment jamais dessiné. Donc. Ouais, Koura, il est bien. Elle est à la triche. Moi, je savais que c'était une jupe. C'est le gars qui a triché en faisant une. Je vous fais pas assez de fan art. Faut qu'on fasse plein de fan art des copains. Oui. En fait, pour les prochains challenges, on va avoir fait tellement de fan art, on va savoir dessiner bien les persos des... et l'autre. Lia 19, ah, ça ouais. Y est, ouais, 13 ans. Mec, 11 et demi, c'est dur. Et encore, ça va, j'ai la moyenne. Ça va, on est loin de la moyenne de ce que j'avais annoncé. Ah, le coup dur. Allez, Manon, 3 petits points. Oh, dur. Ah, on peut lui rajouter des points pour les tigres. Je suis le cancre du challenge. Ouais, mais il y a les tigres. Elle était blonde. Ça allait trop violente dans ces contrastes entre chaque note. Allez, Manos, je te rajoute 5 points pour les tigres, alors 10 sur 20. Yeah! La tactique fonctionne. Tu vois des détails à côté. On fait la suite? Oui. Ok. Alors, j'ai peur maintenant. Tu m'as demandé un perso que je n'avais jamais dessiné, donc il faut que je fasse pareil pour toi. Un perso que tu n'as jamais dessiné. Je crois pas que t'aies déjà dessiné Koana. Je l'ai faite, mais tu sais, c'était il y a longtemps et on faisait que les visages. Ok, bah tu vas faire Koana, écoute. T'es parti. Alors, je suis en train de me dire, putain, si je dois faire Koana, je suis dans la... Bah t'es parti. Tu me dis quand je peux pas y aller. Ouais, alors attends. Je le mets à 10 minutes. Ok. Et 3, 2, 1, c'est parti. Déjà, Koana, elle est non moins. Je peux dessiner que sa main. C'est un point caractéristique. Juste une partie, non mais si. Si tu dessines que le buste, tu auras une moins bonne note, ça c'est indéniable. Elle veut juste faire les boobs. Ouais, elle a des gros boobs, elle. Elle a un petit sourire en coin. Et elle a des marques de Naruto. Ah si, je l'ai mise. Ah c'est bon, j'ai la ref.
Par contre, tes fringues. Oh, mais je n'ai genre aucune idée. Bah, à un moment, elle est toute nue. Si je la fais toute nue, c'est bon. Non, non, parce que je ne peux pas streamer ça. Des petits cœurs sur les tétons. Ah oui, alors faites bien gaffe à ce que ça reste safe for work parce qu'on est sur Twitch. Donc on évite les tétons et les fesses à l'air. J'aurais Elle va bouder, elle va partir. Bah au pire, si vous voulez faire les tétons, sauf toi Jenny parce que t'es en live, mais vous mettez une censure à la fin quoi. Vous mettez des petits points, des machins. Elle a des gros boules. Refais tout encore. Ouais, mais on peut pas. Je crois pas qu'on puisse faire du 18 plus sur Twitch. C'est juste tu mets pas de gens à poil, c'est tout. Si, je crois que tu peux, mais faut que ce soit chaîne. Faut que ce soit quoi? Je crois qu'il faut. Enfin, il faut que ce soit annoncé que. Ah ouais. Parce que tout à l'heure j'ai fouillé un peu sur. Sur Twitch et en gros tu pouvais cocher le truc plus ok, je sais pas trop ce que je fais, donc on peut, intéressant. Attends, il te reste combien de temps? Il te reste 7 minutes 30. Mmh. 10 minutes en vrai ça va, hein, on pourrait réduire à 5 minutes, ce serait encore plus drôle. Ah bah ça serait chaud. Du coup tu peux la dessiner à poil mais tu censures avant de le mettre sur Discord. Parce que mon stream est pas en 18+, donc si tu mets des. Si tu ne censures pas, moi je me fais ban. Je crois qu'elle a des yeux de vipère. De toute façon, c'est une vipère. Enfin, quelqu'un qui comprend ce personnage. Je crois que ça va pas du tout ressembler à quoi. Je suis désolée, je vais le faire. C'est pas grave. Là, il reste 6 minutes. On va lui mettre un peu de rouge à lèvres parce qu'il faut qu'elle guiche chez les mecs. J'ai même pas fait des yeux symétriques. Salut Izerx. Salut. C'est qu'il faut dessiner? C'est Koana, des sentinelles déchues. Oui. Ça, s'ils sont comme ça, c'est très sûr, ça fait. Attends, je vais mettre les miens sur Discord en attendant. Coupe de chou. Bon courage. Déjà elle a les cheveux noirs. Le temps. Ah, le temps. Il reste 4 minutes 30. Oh, elle n'a pas touché au corps encore. Bon, bah, du coup, on va peut-être virer cette main là, tant pis. Et je crois qu'elle a une natte.
Et je crois que pour nous, c'était genre ça revient. Ou alors c'est moi qui suis en train d'inventer des trucs. Et je crois que je suis en train d'inventer des trucs, mais c'est pas grave. Parce que j'ai pas d'autres idées. Mais c'est fringues, j'en ai aucune idée. Genre, j'ai vraiment zéro idée. Je vais lui faire son bras coupé, là. Son bras sans main. Ça fait une main, avec un moignon. Tu as trouvé le meilleur argument pour me faire lire tes tomes avant de les acheter. Ah, j'avoue. Voilà, un moignon. Ah, ah. Attends, toi. Mais du coup... Ah, j'ai les crocs qui sont figés. Casse-toi. Ah non. Il reste 2 minutes 50. Ah, je sais pas ce que... Je me demande s'il n'y a pas une sorte de kimono chelou avec les boucles à l'air. Forcément, ça fait des gros boucles. Pour faire plaisir à Al. Bon, on va lui faire une sorte de décolleté, là. Je sais pas ce que je fais. C'est très drôle de regarder l'autre dessiner son perso, quand même. Et de rien pouvoir dire. Ça démange. Ça démange, putain. Mais je sais pas ce qu'elle porte. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lui faire une sorte de très court. De quoi? De une espèce de kimono super court. Ah ouais, les cuisses à l'air aussi carrément. Mais moi tu vois l'image que j'ai d'elle. Erron. Toi t'as juste l'image de Kohana à poil quoi. Y a pas de vêtements. Oui. Moi, les deux images fortes que j'ai de Kohana, c'est Kohana à poil ou Kohana qui se fait couper sa main. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est la main qui vole. Ah, mais je peux faire la main qui vole. Ok, donc c'est cette Kohana là. Attends, je vais chercher la ref. Attends, faut pas que je me trompe de main. Attends, il reste combien de temps? Dégueulasse, écoutez. Il reste 57 secondes. Voilà. Une main qui vole. Voilà. Genre, elle a l'air de trop bien vivre, moi. Sa main qui vole. Kohana a des vêtements. Ouais, oui. Bah. Kohana a des vêtements. Alors, il y a des endroits qui ont plus de tissu que d'autres, mais oui, il y a des vêtements. Je sais pas trop ce que je fais, mais... J'ai envie de lui faire un truc très court. En tout cas, elle est super jolie. Je sais pas. Pas que ce soit trop long non plus. 10 secondes. 10 secondes. 3, 2, 1, et c'est fini. Juste des mèches noires, ça c'est vrai. Bon, bah je suis pas sûre que ça ressemble à Kohana. On va voir, attends. Hop. Alors. Voilà. Attends, ça c'est pas encore fini chez moi. J'ai besoin de voir ça. Ah, allez, Twitch, là. Tu vas y arriver. Ouais, bon. Mais en plus, j'y avais pensé au bandeau sur la tête. En fait... Puis ça m'est sorti de la tête quand j'étais sur le dessin. J'ai encore fait des biennes.
En fait, j'allais te mettre la ref du volume 3 parce qu'en fait, il y a deux refs. Et tu m'as dit que sa main était en train de voler. Du coup, je t'ai mis la Kohana du volume 2. Mais en vrai, ta Kohana ressemble plus à celle du volume 3. À celle du volume 3. Voilà, elle ressemble plus à ça. Ouais, bon. Bah, elle a quand même les boobs à l'air. Oui, dans tous les cas, elle a les boobs à l'air. 9 sur 20 pour la main tranchée. Il y a Sasa qui me dit Jenny, on reste amis, même si. Mais oui, Sasa, t'en fais pas. Oh, attendez, il y en a d'autres. Je crois que Coralie, elle m'en a envoyé un aussi. Ah ouais, j'ai pas vu en fait, ça les filles. Waouh. Avant qu'elle n'en perde une. Oh, attends, bah du coup, c'est celle du volume 2. Je vais retourner sur clip. Et là, j'entends Jenny parler de kimono. C'est le drame, putain. Attends, c'est dur ce qui est en train de se passer, là. Les notes vont être sèches, je le sens. Il y a le bandeau, il y a les boobs. Il y a Naruto. Naruto. Ah, elle l'a posté ou pas, le sien? Je sais pas, tiens. Je crois pas. Moi, j'ai pas vu sur son channel. Non, je l'ai pas vu. Ah, il y a marqué qu'elle était en train d'écrire. Voilà. Oh. Voyons voir ça. Non, mais non. Ça, c'est celle du volume 3. Ah. Mon dieu. Ah merde, je me suis trompée. Bon, au final, je lui ai mis trop de vêtements. Oui, tu lui as mis beaucoup trop de vêtements. Enfin, au niveau du buste, au niveau du buste, elle a trop de vêtements. Ouais. Ah, elle est trop belle. J'avais vraiment aucune idée. Grosse chouin. Alors la fleur, ça compte pas. Si Sasa, tu notes, la fleur ne compte pas parce que la fleur de Kohana change dans chaque chapitre. Mais c'est ouf, genre tu nous pondes des trucs en couleur en 10 minutes, c'est incroyable. Ça, elle est bien notée, Al. Al, 18 sur 20, putain. Oui, j'ai gagné. En vrai, elle est trop cute, sa tenue, là, avec sa... Elle est mignonne. Et ses boucles de l'air. Oui. Ah, mais je savais bien qu'il y avait une histoire de manche. C'est pour ça que j'ai voulu foutre un kimono, en fait. Oui, elle a des longues manches pour cacher ses moignons. Ouais. Tu as switch de tenue, mais dans l'ensemble, le tout est resté cohérent. Ça va, hein? Ça passe. 4 sur 20! Oh non, c'est tellement dur! Oh la dureté! 4 sur 20 pour la main! Tiens, c'est chaud. Je sais pas si ton écran s'est freeze ou pas, mais j'ai la fenêtre accès au fichier dessin. En fait, c'est normal. En fait, il refuse de sauvegarder le truc. Ah, ok. Ça m'énerve. Voilà. Ok. Bon, il est 19h15, on devait terminer à 30. Est-ce que le dernier, on le fait en 5 minutes? On peut le tenter. Bon, le dernier, on le fait en 5 minutes, alors. Ok, putain, okay. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Faut que je te trouve un perso, du coup, je réfléchis. Ouais. Est-ce qu'on part sur des trucs durs? Dur en 5 minutes, comme tu veux. Mais ce que tu choisis déterminera ce que je choisirai. Sache-le. Je sais pas. Je sais pas du coup si je suis méchante ou pas. Ça aura des répercussions en tout cas. Allez, on va être joueur, on va dire Aman. Aman? Tentez l'idée. Aman. C'est le général. Non, mais non. Oh putain, pardon. Ok. Toi, la prochaine manche, tu vas prendre cher. Mais pas ta ref parce que je la vois.
Je la vois en fait. J'ai pas mis l'alarme, je remets le start. Ok. Oh mon dieu. Le timer. Ah bah... je sais même pas. Oh mon dieu. Oh là là. Oh, je suis dans la merde. Tu me dis quand t'es prêt. Attends, je suis pas prêt. Non. Pas encore. Ah, il faut d'abord que 24. Putain, attends. Attends. Je respire un coup. Je respire un coup, tout ira bien. Ouf. Je vais boire une gorgée. Ouais, je vais boire de l'eau aussi. Ouais. Le pays tout recraché sur mon écran. Moi aussi, il y a, j'en pleure, j'en peux plus. Allez, c'est parti. Un, c'est bon, c'est parti. Tout ira bien. 3, 2, 1. Ok. Je vais dessiner une armoire. On respire un coup, tout ira bien. Je vais lui faire les bras croisés, comme ça fera moins de vêtements. Non, je vais rien dire. Pardon ? J'ai failli donner une info, alors je me suis stoppée en cours. Je suis sûre que t'allais me dire qu'il avait tout le temps les bras croisés. Je suis sûre que ce détail va me valoir un 20 sur 20. Doucement, respirez bien. Il y a soldat qui dit... Felkia, veuillez cesser de perturber l'ensemble de la classe. Pardon, madame. En fait, c'est Sada, notre prof, aujourd'hui. De ouf. C'est moi, la sale gosse. Et la prochaine fois, on peut la prendre en vocal, hein. Et elle nous fait, la prof, là. Ouais. Mais la prochaine fois, ouais, faut qu'on arrive à faire ça à plusieurs. Limite, ouais, faudrait faire ça sur un pain chat. Où tout le monde peut dessiner. Ouais, de ouf. Ah ouais, carrément, genre un stream sur un penchat et tout le monde fait n'importe quoi dans un coin. Ce serait trop cool. Ouais. Vous en pensez quoi ? Ça vous dirait ? Genre on fait un penchat de dessin de mémoire ? Genre Lia et Al qui participaient, ça peut vous intéresser. Mais là, je sais plus s'il a une moustache. En fait, j'en sais rien. Peut-être qu'il a un truc comme ça. Je sais qu'il il est chauve, ça c'est sûr. Il me reste combien de temps ? Il te reste 8 minutes 30. Ah non, mais c'était 5 minutes, hein. Ah oui, merde, bah du coup je m'arrêterai à... Tu t'arrêteras à 5. Bah du coup... Du coup il te reste 3 minutes 23. Aïe. J'avais zappé que c'était 5 minutes. 3 minutes 20, ok, ça va faire. Je crois que je vais mourir aussi après. Tu vas prendre cher, t'inquiète. J'avoue, j'ai pas été gentille. Mais bon, je me suis dit, faut du challenge pour en dernier. L'enfer. Il a un visage très large. Et il est jamais content aussi. Et peut-être il a une boucle d'oreille, je sais pas. Non, si, je sais pas. Je sais pas. J'en sais rien. Je vais pas la faire dans le doute parce que je sais pas. Si, je vais la faire. J'ai envie de la faire. Il est musclé, mais il a des vêtements. En fait, je sais pas. Si, mais genre il a les machins, là, les vêtements comme ça, là. Alors, les mains, ça va être à la zobe, hein, des os. Oh, s'en fout, on n'est pas là pour faire des mains. Quel enfer. Pire perso, quoi. On dessine que des meufs depuis tout à l'heure, là, des meufs mignonnes, jolies et tout. Et là, tu me demandes, Aman, t'as pas honte. En fait, j'ai hésité. Franchement, j'ai failli te donner Mawa. Non, Mawa, ça aurait été, tu vois. Ah, ouais, je me suis dit, allez, on n'a pas fait de mec encore. Et même pas genre Hamza ou Liam ou un mec un peu facile à faire, tu vois, genre. Ah mais... J'ai hésité à te donner Liam aussi. Aïe. Mais genre il a plus de barbe que ça, hein, c'est pas possible. Et il a des rides aussi. Et peut-être il a des bracelets, je sais pas, c'est le chef quand même, genre il a un peu de décoration, j'imagine. Il me reste combien de temps ? Il te reste 1 minute 20, 25. Peut-être qu'il a une ceinture. Peut-être pas. Une minute. On dit
dire un mec qui sort d'un club échangiste. Mais en tout cas, ce qui me fait rire, c'est que là, tout le monde est hyper concentré parce qu'il n'y a genre aucun commentaire en chat. Il est beaucoup trop sexy, c'est pas possible. Non, 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 il est pas comme ça, le général. C'est parce que je vais lui faire déranger. Oh mon dieu. Ça va pas du tout. Il a genre un collier, un truc comme ça, là, je sais pas quoi. C'est sûr. En fait, je te dis le truc, j'en sais rien. Ça se trouve, il a un tatouage là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, il fait videur de boîte. Ouais, mais c'est genre le videur de boîte qui passe la soirée dans la boîte, au final. Parce que... Ça va pas. Hein. Il reste 15 secondes. Oh mon dieu. Ça va être la décalotée. Coup dur. Ok. Je t'attends au tournant. On dirait un prof de yoga. Je... 1-0. Moi, j'ai l'impression que c'est Aman qui est parti en club de vacances. Alors, qu'est-ce que j'ai comme dessin? Je crois que je vais dire que t'as vu dans les pages. Je sais pas s'il a un short. Hein. Peut-être qu'il a un short. Il a pas un short, il a un collant. Oh, oh. Avec okay. Une espèce de jupette au-dessus. est-ce que c'est dans le chapitre 2 qu'on le voit? À mi-chemin enfin, entre le chef de tribu et un hippie. C'est le chef de... C'est leur chef de tribu de ZAD. De Notre-Dame-des-Landes. Non, mais... C'est lui, en fait. Pourquoi vous êtes en caleçon? Chef, pourquoi vous êtes en caleçon? Tiens, c'est voilà, bon, on l'arrête. Oh mon dieu, j'y étais pas du tout. Oh mon dieu. Horrible. C'était de la plaque complètement. Aïe 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 aïe. Ouf. Est-ce qu'il y a d'autres participants? Moi j'attends Lia. J'attends Lia et Al. Il y a rien qui. Mais là font les mortes. Bizarrement, quand c'est pour dessiner des gros mecs, y a plus personne. Hein. Bah attends, hey, il est quand même en collant, c'est moulant. Hein. Oui. Aman, nageur sauveteur. Vous avez pas reçu? J'ai pas encore checké en fait. Vas-y, il ressemble à quoi? Oh putain, il est mieux que le mien. Il a l'air sérieux lui au moins. Putain, et les petits tics, ça te sauvera pas tout le temps, tu sais. Bah, il tue quand même des tigres, hein. Attends, il y a Lia aussi. Le crâne chauve. Yes. Il est ressemblant. Brille. En vrai, c'est peut-être le plus ressemblant. Ouais, franchement, Lia, tu te débrouilles bien. Hein. À chaque fois, t'es pas mal. Hein. Ouais. Tu lui as mis les bracelets que Hamza porte. Je sais pas pourquoi je lui ai mis toutes ces fioritures sur le mien. Ah. Mais oui, celui de Koura, il est grave ressemblant, ouais, je suis d'accord. Ouais. Bon, Saza, à toi de jouer. Pec, ouais, il y a des pecs. Belkia 2 sur 20. Non. Les commentaires, ils s'affichent pas chez moi. Ah zut. Trop de pique, tout se met pas à jour. Al 6. Ouf. Ouf. Ah, ça y est, ça apparaît.
je vais pas te rater. T'inquiète même pas. Ça s'appelle le privilège de corriger les textes. Ah, oh, j'avoue. Il y a 13 sur 20. J'avoue. Oui, elle bouffe mes fautes. Du coup. Bon, du coup, c'est à mon tour de prendre cher. C'est en effet le cas. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, le chat, et bah, ils prennent cher deux fois. Ouais, j'avoue. Qui est-ce que je tire faire? Oh, j'ai perdu Kohana. Oh no! Ah, le saligo. T'as perdu le dessin? Je suis pas sûre qu'il l'ait envie. Je sais pas. Il y a Clip qui a craché. Oh, bah au pire, au pire on fera des screens du live, c'est pas très grave. Oui. Il faut que je retourne. J'hésite encore. J'hésite encore. Bah, de toute façon, faut que je retrouve mon fichier. Peut-être le bouton. Comment je l'ai appelé déjà? T'avais appelé ça mémoire, un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça. Dessin mémoire live. Ouais, y'a que via. Oh. Bon, c'est pas grave, on fera un screen. Ouais. Je sais pas, je sais pas, si. Je vais te demander le papa de Telos. Oh. J'en ai... Il s'appelle Philippe. Il a un kimono. Mais je... Après, est-ce que je peux le dessiner en tout petit? Comme ça, on fait que le kimono. Je dessine entièrement. Oh, je sais pas quelle tête il a. Je crois que... Bon, on va improviser. J'ai très peur. Je crois qu'il est dans le même cas que moi. Tu t'en vas, Al? Allez, pars pile au moment le plus dur. On te voit. Oui, il dit, tu es la pire Valkia. Oui, je sais. Eh, il apparaît sur beaucoup de pages, bon. Hein. Ouais, mais c'est pas celui qui marque le plus. Bon, bah je suis... Il apparaît plus que le dieu de la pluie. Véridique. Je me souviens le papa de Telos de la version 2. Il se ressemble pas mal, hein. Il se ressemble pas mal en vrai. Bon, c'est bon, je suis prête. Tu peux me dire quand j'y vais. Ok, alors, 5 minutes. 5 minutes, hop. 3, 2, 1. C'est parti. Merde, c'est du blanc. Hop. Je suis démunie. Ah mais là vous faites preuve d'inventivité. Hein. Mais là, je crois que je vais t'inventer un perso. Hein, c'est pas... Mais moi, je t'ai inventé un videur de boîte, donc... un videur de boîte en vacances. Mais moi, je crois que je vais avoir 0 sur 20, là. C'est même pas 2. Oui. Oh, tu sais qu'il y a toujours les 3 questions. Hein. Ah, j'ai oublié de les poser, moi. Putain. Ah ouais, non, tant pis, y a pas de questions. Si, si, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, j'ai oublié, mais tu peux. Non. Si, si, vas-y. Non, c'est bon. Faut que ce soit... De toute façon, c'est bon, on est parti, là. Ok, bon, comme tu veux. Alors. Elle va nous faire un petit Jésus. Donc, on a dit un kimono, bon, un peu à l'arrache. Je crois pas que ce soit une armoire à glace. Et le visage. Je sais pas pourquoi dans ma tête. Ahmed et Philippe se rencontrent au camping paradis. Il te reste 3 minutes 20. Je
J'imagine, tu sais, tous les deux en maison de retraite plus tard. Alors toi aussi, tu t'es fait bolosser par des petits jeunes? Oui. Je les déteste. Oui, j'avoue, ils ont tous les deux ce point commun. Se faire bolosser. Qui va se suicider. Et puis personne qui dit rien quand c'est des gros mecs à dessiner. Vous êtes décevant. Vous pensez conichon. Ils sont trop concentrés sur leur dessin. Ouais, 5 minutes pour faire dans ça. Dans ma tête, il a des sourcils froncés et épais. Je sais pas si c'est vrai. Telos a des sourcils froncés et épais, en tout cas. Ouais, mais dans ma tête. Mais ça se trouve, je comprends les deux papas, j'en sais rien. Les deux papas? De Telos et de Véron. Oh! J'en sais rien en fait, je sais plus. Je sais plus ce que c'est. Je ne sais plus. Cas, je note que t'as toujours pas fait les cheveux. Il reste 2 minutes. Il a toujours pas de cheveux. Oh, j'avais oublié ce décalage. Alors dans ma tête, c'est un truc comme ça. Je suis en train de mourir intérieurement. J'ai mal à la mâchoire à force de rire. Et moi donc. Et je vais lui rajouter, je sais pas, une petite queue de cheval. J'en sais rien. Ah. Petite... Oh, il est trop mignon. Il est adorable. Après, est-ce que c'est il reste... le personnage demandé? Il reste 1 minute. Je vais essayer d'améliorer sa super coupe. Les petits pecs là qui me dépassent. Le Philippe de 40 kilos se lève de la honte. Pardon. Moi je te dis, on aurait dû appeler ça, on dessine les persos de l'autre de mémoire, ça tourne mal. Ça ce sera pour les rediffs. Mon dieu, quel enfer. Il est très mignon. Par contre, il est vraiment mignon. Hein. Si jamais tu veux le garder pour faire un OC, tu peux. Sinon, je le prends en adoptable. Hein. Si tu m'en fais cadeau, je le prends en adoptable. Pas de soucis. Si tu veux, ça te fera un cousin éloigné. T'as fait un ado prépubère. Un peu. Si tu veux, je lui rajoute de la barbe. C'est fini. C'est trop tard. Vas-y, fais-moi que... Attends, je rajoute quand même des pupilles pour qu'ils soient moins... Il a toujours l'air blasé hein, avec une armoire, mais... Voilà, faut que j'enregistre. C'est pas une armoire, il mesure 2m10. Et il fait certainement plus de 90 kilos. Il est gigantesque. Sa meuf fait 1m50. C'est à peu près ça. Ah, vraiment, il refuse que je sauvegarde ce truc. On enregistre pas un dossier. Ah, Amy, d'accord. Maintenant, je me rappelle. Pourquoi un kimono? Ouais. Attends, je vais essayer de chercher les points communs. Je suis pas sûre que t'en trouves beaucoup. Il a la raie au milieu. Il a une queue de cheval. Ouais, mal placé. Il a des petits yeux. Et voilà. Et c'est un homme de type masculin. Bon, il a un cou apparent. Oui, on voit son cou dans tous les cas, effectivement. Effectivement. Le lien. Ah putain, je me vois. Je crois qu'elle a fait pire que moi.
Angelos cosplayer en mais non. Quoi? Ça veut dire en fait chaud. C'est quoi ça? Moi j'ai créé un perso hein. Putain. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais il est parfait. C'est pour Talia que tu devrais mettre troll sur 20. Mais oui. Moi tu peux mettre nouveau perso sur 20. C'est vrai que Lia elle a pas eu. Donc en soi c'est une théorie son personnage. Je viens c'est méchant. Et ben on pourra faire des prochains lives où on fera ça avec plus de personnes, ce sera sympa. Et tous sur la même tous sur le même truc. Eh, je fais que rire, j'en peux plus. Moi non plus, là. Je vais bien dormir ce soir. Ouais. Putain, j'ai encore un paquet de copies à corriger avant d'aller me coucher. T'es sur 20. Y'a même pas de notes, en fait. On est en barème, Lia. On mérite même pas un zéro. C'est la disqualification, là. 3,5 Jenny pour l'effort. Elle a essayé, oui. Elle a essayé sérieusement. Bon après, est-ce que le concept déjà vous a plu? Ouais, j'avoue. En tout cas, nous on a beaucoup rigolé. Oui. Clairement, c'est un concept à exploiter. Oui, c'est trop drôle. Après, ouais, en fonction de avec qui on fait les lives, il faudra juste voir qui a lu quoi et qu'on se mette d'accord avant. Ouais, mais c'est drôle de justement de pas s'en rappeler, de pas savoir et de terminer mais avec. Non, mais au moins que. De que terminer avec ça. Non, je trouve ça encore plus drôle. Mais par contre. Je trouve ça encore plus drôle. Mais on peut dire monter crescendo du coup. Oui, voilà, on va du plus facile au plus dur et à la fin on prend un perso où on peut avoir des théories. Je trouve ça drôle. Oh putain, j'ai trop rigolé, j'ai mal à la gorge. Ouais, pareil. Je vais passer mon temps à tousser au lycée, ils vont me dire si j'ai le Covid. Je dirais non, c'est à cause du... c'est à cause du live de ce week-end. Ah, j'avais pas vu qu'elle était partie, Al. Oui, elle est partie faire manger. Ok, bah, il faudra juste qu'elle nous fasse un billet d'absence en revenant. Il a même pas son bras. Bon, en tout cas, oui, c'était super sympa. Ouais, c'était trop bien. Bon, on pourrait refaire ça avec d'autres gens. Après, PenChat, est-ce que ça marche sur iPad? Parce que moi, il me semble que ça buguait grave. Ah, je sais pas. Il faudra qu'on fasse des tests de toute façon avant de faire ce genre de choses. Et sinon, Scribble, ça peut être bien aussi. Hein. Un Scribble thématique avec les personnages des gens. Ce qui serait bien, c'est de faire en sorte que tout le monde, enfin, que les gens puissent voir les dessins de tout le monde, mais que nous on puisse voir que pour pas qu'on soit influencé. Y'a qui dit je m'en remets pas. T'en fais pas nous non plus. Non, mais on a fait une belle collection de dessins. Oui, on va mettre ça sur Twitter. Ça va être drôle. Oui. Bon, bah on va vous laisser. Ouais. Moi j'ai passé un super moment. Merci pour, merci d'être venu. Ouais, puis merci à tous d'avoir participé, c'était cool. Et puis on remettra ça un de ces quatre. Ouais, de ouf. N'oubliez pas de mettre le R18 la prochaine fois juste au cas où un accident est vite arrivé. On verra. Ouais. Oui, bonne idée, Lia, on va aller manger. Ouais, bonne soirée tout bonne le monde. Bonne soirée tout le monde. Salut. Salut.